Je sais pas, ça a raccroché. Bon, je vais donner son bain à Lily. Si tu veux goûter, il y a des pains au chocolat dans la cuisine. Chouette! Oh, va-t'en la mouche! Oh non! Si jamais je t'attrape, sale mouche! Oh, c'est les seins! Oh, on ne peut jamais dormir tranquille dans cette maison. Le téléphone. Je réponds, maman. Allô? Quelle vie! Et pas de serviette. Oh! Oh, oh, oh! Aïe! Oui, vous voulez parler à maman? Ça dépend, je ne voudrais pas la déranger. Bah alors, rappelez plus tard, elle donne son bain à Lily. C'est qui, Lily? Hein? Ma petite sœur. Qui est-ce? J'en sais rien. C'est de la part de qui? Un ami. Dis-moi, Lucas, ta maman, elle prend son bain avec Lily des fois. Je sais pas pourquoi. Lucas, raccroche immédiatement. Ce type est un détraqué. Tu as déjà vu ta maman dans son bain? Ça suffit comme ça. Il y a vraiment des gens qui n'ont rien de mieux à faire. Mais pourquoi t'as raccroché? Tu ne trouvais pas que ce type posait des questions bizarres? Si, un peu. Tu poses ce genre de questions, toi, quand tu appelles quelqu'un? Non. Bien sûr que non. Donc, qu'est-ce que tu aurais dû en conclure? Que ce type est un peu zinzin. Exact. Et qu'est-ce que tu aurais dû faire? Lui raccrocher au nez. Oui. Et prévenir maman. Bravo! Maman! Pourquoi ce type m'a posé des questions bizarres? Il existe des gens qui téléphonent au hasard pour dire des horreurs. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils sont fous. C'est possible. En tout cas, ils ne tournent pas très rond. Je vais aller tout raconter à maman. Comme disait mon grand-père, lorsqu'un inconnu au téléphone te dit des choses curieuses, envoie le balader, raccroche et parle-en tout de suite à tes proches. Jamais vous séparer, d'accord? Oui, maman. Et n'entrez pas dans les immeubles, uniquement dans les boutiques. Oui, madame. Il est 3h moins 10, rendez-vous ici à 4h pile. D'accord, maman. Bonne vente, les enfants. On y va. 2 euros le billet de tombola. 2 euros le billet de tombola. Donne-moi 2 billets, petit. Merci, monsieur. De rien, bonne journée. Waouh, on commence en force. Tu l'as dit. Célestin! Comment tu fais pour tenir dans une banane? Tu oublies que je peux me rapetisser et grandir à volonté. On vend des billets de tombola pour notre voyage de fin d'année. Je sais, c'est très bien. A plus, j'ai du sommeil en retard. 3h30? On en a vendu que la moitié. Il n'y a qu'à se séparer, comme ça on ira deux fois plus vite. Ta mère a dit qu'on devait rester ensemble. Toi, tu fais ce trottoir et moi, je fais le trottoir d'en face, comme ça, on pourra se voir. Je sais pas. Bon, d'accord. Oh non, c'est pas vrai.
sec, petit. C'est gentil, madame, mais ma maman m'a interdit de... Entre donc, je te prends 10 billets. 10 billets? J'arrive! Que fais-tu, Lucas? Je vais vendre des billets à la dame. Règle d'or numéro 1, as-tu le droit d'aller chez une personne inconnue? Non. Règle d'or numéro 2, ta mère sait-elle où tu es? Non. Règle d'or numéro 3, est-ce qu'elle serait d'accord? Non. Règle d'or numéro 4, s'il arrive quelque chose, quelqu'un peut-il t'aider? Mais laisse-moi tranquille à la fin, la dame veut m'acheter 10 billets de tombola, ça veut dire qu'elle est gentille. Pas forcément. Par contre, toi, tu oublies les 4 règles d'or. Ça va, j'ai compris, je fais quoi alors? Tu utilises ton intelligence. Rikiki! Entre! Non, merci. Tu as très bien agi, Lucas. Je ne vais pas te manger, tu sais. Mais non, en fait... Tu as raison de ne pas vouloir rentrer chez moi. Après tout, tu ne me connais pas. Oui, on a appris ça à l'école. Tu es un bon petit garçon. Allez, donne-moi 10 billets. Merci, madame. De rien, et continue d'être prudent avec des inconnus. Merci. Tu vois, Lucas, même la dame t'a dit qu'il faut appliquer les 4 règles d'or. C'est vrai, Célestin. Et Thomas, tu devineras jamais ce qui m'est arrivé. Comme disait mon grand-père, que tu sois à la maison ou dehors, suis toujours les 4 règles d'or. Et puis surtout, apprends-les par cœur. De votre âge. Oh, allez, ça fait pas vraiment peur. Et puis Thomas, Emma et moi, on sera ensemble. Oh, mademoiselle est mouillée. Maman. D'accord, c'est bon, allez-y. Il faut que je change de vie. On se retrouve ici dans 20 minutes. D'accord, merci, maman. Merci, madame. Génial. T'as vu l'araignée? C'est une fausse. Ouais, ben j'aime pas quand même. Oh, la fouillarde. On dirait presque Célestin. Célestin. En voiture, venez suivant. Frissonner dans le train fantôme. Hé, je vais pas être toute seule, je vais avoir peur. T'inquiète pas, on est juste devant. T'en fais pas, petite. Je suis là. Tu permets? Attachez vos ceintures. Et c'est parti. Oh, le train va partir. T'inquiète pas, ma chérie. Tout va bien se passer. Ma chérie. Bonjour, cher confrère. Si tu as peur, je suis là. Oh, méfiance. Rikiki. Il est drôlement gentil, monsieur. Emma, c'est Célestin, je suis là. Je suis bien contente que tu sois là. Je trouve ce type bizarre. Si tu as vraiment trop peur, tu peux te serrer contre moi, tu sais. Non, merci. Bien répondu. Ça va, Emma? Ça va, Emma? Mais t'es toute blanche, tu veux venir à ma place? Ne vous inquiétez pas, les gars, je veille sur elle. Merci, monsieur, c'est sympa. Vas-y, Emma, parle! Il m'a caressé les cheveux! Quoi? J'ai juste voulu enlever une poussière! Le menteur! En plus, il voulait que je me serre contre lui! Bien, Emma! Espèce de sale type! Qu'est-ce qui se passe ici? Il a caressé les cheveux de notre copine! Devant! Bravo, les enfants! Vous avez agi comme il le fallait! Comme disait
disait mon grand-père, certains adultes qui ont l'air charmants se conduisent mal avec les enfants. Si tu en rencontres un jour, éloigne-toi de lui et appelle au secours.